السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Commençons en premier, chers frères. Nous posons une question. Depuis quand le Coran fin descend? Où qu'on a réponse? Védié la vallée du jour, plus que 1400 bananes. Si vous prenez le 1445, c'est Hijri, ou ajoutez encore 10 ans là-dedans, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans Makkah. Depuis tout ce temps-là, l'in passe de beaucoup l'armée, l'in passe avec beaucoup l'ennemi, l'in passe avec beaucoup culture. En sura, en aya, en lit, ou bien même en harakat, en fataka sodama, pas capable de se tirer là-dedans. 1450 ans, pas capable de sens dans rien là-dedans. Mais par contre, nous sommes d'accord qu'il y a une sens plus que 1450 du monde. Nous sommes d'accord que ce Coran là, fin sens en du monde, fin sens en famille, fin sens en tribu, fin sens combien du monde, là je suis face à la terre. Qui les fait au conseiller dans sa los? Faudrait pas nous penser que le Coran n'est venu seulement comme une lecture afin qu'il nous acquérisse une récompense. Il faut pas tu. Mais seulement plus qu'il sent encore. Chers frères, il faut dire qu'il fait l'effet au moins. Faudrait qu'il cobana pédie concernant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam kana khuluquhu al-Qur'an. Ce khuluq, ce caractère, il dit comment dire Qur'an. Ou dans l'autre riwaya, dans l'autre version d'un hadith, Kabana dit, dit-il comment dire, un Coran qui peut morcer l'eau la terre. Dès là, moi, je comprends le Coran, en même temps qu'il nous lit dans la main, en même temps qu'il nous lit tous les jours, en même temps, il besoin quoi? Il besoin une question pratique de la vie de tous les jours. C'est pour ça que les savants disent nous, un hafid Qur'an, ce n'est pas seulement un celui qui connaît depuis Al-Hams Kaminal Jinnati Wannas. Ça, il mémorise. Un hafid veut dire un qui préserve Qur'an. C'est un celui qui banne la loi qui est dans la donne, il met en pratique. Malgré qu'il n'y a pas qu'on ait là. C'est un hafid Qur'an. Hafid, ce n'est pas seulement mon mémorise Al-Hams Kamin al-Jinnati Wannas. Chef, il y a un juif contre le Coran pour qui. Mais seulement, il y a des gens qui ne peuvent pas être là, mais seulement pour dire où Allah ne dit pas faire ça. Non, moi, je fais ça. Il arrête là, il ne va pas dire que c'est le Coran. C'est un Hafid Coran. Parce qu'il est venu dans la vie pratique de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans surat 17, surat Isra, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certainement ce Qur'an li guide où? Li guide où? Vers ça qui est juste. Un drôle livre ça.
Mais seulement si tout le temps nous vous contentons, nous, il y a un net gain 10 sawab, il y a un net 10 sawab, nous, société, pour espérer. Société, pour espérer. La cause qui fait, nous, encore, peut penser que le Coran, Allah, fin révélé pour nous lire, pour nous gagner sawab. Livré. Mais seulement plus que ça. Fin révèle vers nous pour nous mettre en pratique, frère. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans Sourate Al-Hadid, ayat 16. Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Une façon pour lui, on dirait Allah dit nous comme ça, pas n'arrive-les. Pour ban qui n'a iman, je tranquillité l'équerre, je frayé spirituel, ça qu'il nous appelle khushu. Ça l'ivine pour le rappel d'Allah et le sacrifice des âmes comme vérité. Pas n'arrive là pour arriver ça, c'est-à-dire. Aujourd'hui, chers frères, je fais une déaction, je souffle, je consulte, dis-moi, tu ne commences à gagner tel problème de qui fille est sans eux. Tu commences à perdre du poids, tout. Vous entendez, hein? Aujourd'hui, vous direz de badiner une goutte, je check mon diabète. 7.8 à 1. Et qu'elle a réussi. Une frayeur. Mais aujourd'hui, pénalé, pénal moment, pénalase, mon pétan d'immun, pémo. Est-ce qu'il est qu'elle a réussi? Non, frère. Et qu'elle a réussi? Depuis le Ramadan, il est rentré comme une maillette, nous entendons. Combien sommes-nous là-dedans? Combien nous commençons pire parce qu'il procède qu'à part moi? Zéro, frère. Et quand il devient plus grave, l'état moins le maillot là, tout ça va faire l'effet de moi. L'état moins le maillot là, ça va faire l'effet de moi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, mais pas n'arriver de sens à façon là. Fin arrivé. Ou guette-moi là, frère. Dans le Ramadan, moi, je mange avec mes 5 namaz. Je ne pas lever pour Fajr, là. T'as chaud quoi, je lever pour Fajr. Je lever avant Fajr. Donc, travail, je travaille pour moi, ou bien pour un autre. Je réussis à me faire dans l'air. À ça, le coupé transé, je réussis à rentrer dans le mazit qui plie près le chemin. Maghrib, même une fini oui, je viens de masjid seulement. Et chaque quantité mon loup, je parle de masjid, je fais mon isha. Je réussis à faire ça seulement. L'autre 11 mois là, quand je été. Mais pas n'arrive vraiment pour te prendre compte. Qui Allah indique toi pour toi arrêter sa modèle la vie là? Frère, pas premier Ramadan là, nous là. Premier Ramadan, nous trouvons Mazid rempli de calories. Motocyclette paye la place pour garder. Elle met, ça va tout mélanger. Après le lendemain, il est arrivé. Premier là. Tu as 10 ans qui nous peuvent atteindre l'âge puberté de Oulaz. Tous les années, on trouve quelque chose, oui non. Qui fait ça? Parce que quand je viens pour écouter mon frère qui amène le rappel, je ne viens pas écouter pour me changer. Je viens écouter pour. Pas te dire que je finis mon travail direct là. Pas te dire parce que je finis mon masque pour des bouts là. Je ne viens pas pour me changer, frère. Ça joue, ça moment, ça l'air qui moi assise avec n'importe qui ça n'a. Quand il peut causer, je peux écouter afin qu'il m'a l'intention, c'est. Je pour courir, je mets mon premier, je pour apprendre, je pour mettre en pratique. Là où je trouve ça, ce sens, mon frère.
Là, changement là, vini. Mais moi pour écouter, moi pour ça. Il y a un sens dans rien, hein? Il y a un sens dans rien, frère. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous. Mais pas n'arriver. Pour ban qui n'a iman, je te fais ça le qui est là, gagne le rappel, gagne tranquillité, posiste le pensée d'Allah et pour ça qu'Allah finit faire descendre comme vérité. Mais dit à travers le Coran. Pas n'arriver pour nous faire ça. Chers frères, quand Omar radiallahu anhu rentre dans l'endroit, il trouve une personne qui tient Maula. Un Maula, c'est quoi? Un Maula, c'est une personne qui tient esclave. Un musulman vini, libère lui. Mais un musulman n'a pas pris les poulies. Quand un esclave, ou est-ce qu'il vient pour. Il va prendre pour lui. Il a dit mots de libération. Pareil, comment, plus grand exemple pour nous rappeler, c'est Bilal radiallahu anhu. Bilal radiallahu anhu, c'est un esclave. Quand on vient avec Abu Bakr radiallahu anhu, il dit comme ça, il y a un esclave qui va vendre, mais seulement, il y a shahada, veut dire il y a un musulman. Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce que ça? Il y a allé. Il dit avec propriété là comme tu vas venir. Il finit qu'on est Omar radiallahu Abu Bakr radiallahu anhu pour libérer lui, il triple ce prix, trois fois. Triple lui en place. Abu Bakr radiallahu anhu dit lui, venir maman c'était alors. Même trois fois. Le temps il y a ce Bilal radiallahu anhu, il dit lui, ça c'est une libération. Il va prendre pour lui. Ça s'appelle Saint Maula. Omar radiallahu anhu rentre dans la ville de Makka. Il trouve un maoula. Mais il y a quelqu'un qui, quelques années, dit c'est là qu'il était. Il est un esclave. Il a dit toi qui amir Makka. Parce que Omar est dans Madina. Il dit toi qui amir Makka. Il a dit oui. Il dit que ça qui nomme toi. Il dit tel. Il dit que ça n'a. Il dit tel. Omar radiallahu anhu, il dit, il te nomme, il passe un esclave avant ça. Il dit comme ça, oh Omar, tant bien qu'il dit, frère. Oh Omar, certainement, il connaît livre Allah pour qui. Pour ça, on met lui à la tête. Oh Omar, certainement, il connaît Coran pour qui. La cause, on met lui à la tête, Makka. Omar radiallahu anhu, il dit comme ça. Certainement, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit vrai. Allah subhanahu wa ta'ala pour élever certains dîmons pour sa livre-là, et vous dénigrer certains dîmons pour sa livre-là. Ça, comprend, frère. Un dîmon qui, quelques années, dit c'est la tienne, esclave. À travers le Coran, pour l'eau d'Allah, il dirige la ville Makka. Donc, c'est pour ça que moi, nous finit dire, chers frères, première question, c'est nous l'intention. Avec qui niyat, moi lire le Coran, moi lire sa ayat là, moi prendre sa surah là. Deuxième, nous venons avec cette explication et ce tafsir. Et troisième, prends la responsabilité, mettez en pratique. Nous voyons 14 ayats devant nous, Inch'Allah, pour tirer lundi. Un ayat par jour, un. Pas apprendre ni pour qui, juste pour réciter. Ou pour gagner une journée pour continuer avec ça, un ayat là. Travaille nous-mêmes pour mettre en pratique. Comme Aban Sahaba dit, nous ne pas finir à prendre 10 ayats. Excepté qu'il nous comprend qu'il nous dit et nous le mettons en pratique. Ensuite, nous apprenons le 10 ayat. Omar radiallahu anhu prend 8 ans pour apprendre sur la Sourate al-Baqarah. 8 ans. Omar, 8 ans? Oui. Moi, je termine pour en donner foin. Oh, ça, toi. Parce qu'il n'est pas n'apprendre pour qui dans la tête. Il n'apprend pas qui dans l'équipe pour le mettre en pratique. Il prend 8 ans pour prendre sur la Baqarah.
Donc ça en ayant une journée nous reste avec lui. Et surtout, chers frères, mettez-le en pratique et dans la conviction. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, certainement, ce Coran les guide nous. Il y a des changements qui, Inch'Allah, pour amener dans nous la vie. Inch'Allah, pour tirer lundi, pour nous dire, chaque jour, nous prenons un ayat qui, Inch'Allah, nous guide ce tafsir. Ensuite, nous mettons en pratique dans nous la vie de tous les jours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.